Allô tout le monde, on censurait ceux qui sont victimes, ça fait de la grosse pépine à la gauche bien pensante. Il faut faire la vasectomie aux hommes de 18 ans. Moi, il y avait une affaire, j'avais écouté, c'était Fight Club, Tyler Durden, qui est interprété par Brad Pitt, dit à un moment donné, c'est pas parce que t'as des plumes dans le cul que ça fait tuer un poulet. Poulet. Dis là, c'est pas méchamment, mais les personnes qui ont des problèmes d'identité, c'est gilet jaune au Québec, c'est de la maladie mentale. C'est, pis, des encouragés dans cette voie-là est autant destructeur pour les sociétés que pour l'individu. C'est pareil comme si une personne dirait à un schizophrène, quand t'entends tes voix dans ta tête, écoute-la, pis fais ce qu'il te demande. C'est aussi pire et aussi grave que ça. Que Iwan Mongol Blanchette, cordialement, devrait être emmené en psychiatrie, pis être évalué, parce que... Xavier Camus et sa clique se sont fait varloper à Cube Radio et ça a été bien mérité. Par Steve Fortin, poulet. Richard Martineau, poulet. De dire des imbécilités, comme ils ont fait, poulet. Je le vis présentement, là, qui sont victimes, là. Moi, depuis un mois et demi, je suis diffamé au bout sur YouTube. Mais moi, contrairement à eux autres, là, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, là. C'est-à-dire les preuves que Xavier Camus fait des faux comptes, là. Parce que j'ai fait des screenshots où ce que tu vois son nom. Après ça, il a switché pour Pierre Dion avec la photo de Pierre Dion. Puis là, il a re-switché avec Iwan Mongol Blanchet avec ma photo. Des screenshots, là. Puis là, il a re-switché, là. Parce que ça, c'est des... on se fait usurper. Et moi, ce que j'en viens pas avec cet individu-là... Iwan Mongol Blanchet avec ma photo. T'as niaisé? Et moi, ce que j'en viens pas à Pierre Dion à plume dans le cul... Toi, le poufin, tu m'énerves! Aïe, donc! Oh ben, pas pire, hein! Tu t'améliores, t'as pas de disparaître ma queue de plume! C'est ça que tu penses? Ben non! Y'en a un petit bout qui dépasse du cul! Bon, qu'est-ce que c'est, là, encore? C'est parce qu'il a rentré, là! C'est parce qu'il y a un petit bout qui dépasse du cul! Ah! Ben oui, mais ta grande hystérique qui vient de rentrer à queue de plume, là, de l'air! Quoi? T'aimes pas ça? Oui, c'est pas ça, c'est pas ce que tu viens de dire. Mais si tu lâches encore, va te donner ta clé, va venir un bumper de truck. Wow! Là, on se calme! Faites-moi pas crier! C'est pas parce que mon oncle a une queue de plume de 6 pieds dans le derrière que c'est drôle, OK? Y'a rien de drôle là-dedans, OK? J'ai juste pas hâte de la sortir de là, moi. Excusez. Ouais. T'as niaisé, là, la philosophie, là. Mais à quel point il a fallu que je dénivelle vers le bas pour atteindre leur niveau intellectuel. On leur a fait un fake qui ont tombé dans le panneau quand on a dit qu'on allait devant TVA pis qu'on allait manifester contre Xavier Camus pis sa clique de Mongol. Que Iwan Mongol Blanchet a plume dans le cul, c'est aucune espèce de crédibilité. Mon Pierre Dion, ben là, ça a parti sur le gun. T'as niaisé. Gilet jaune au Québec vient de se discréditer. Plume dans le cul, c'est aucune espèce de crédibilité. T'as niaisé. C'est parce qu'on n'a jamais eu l'intention d'y aller. Aucune espèce de crédibilité. À l'avant de TVA, écrire « Mouvement Gilets jaunes, c'est raciste ». Aucune espèce de crédibilité.